4 mois dans tête ton pays. Zéro bilan. Plus grand goût. Plus la viche. Plus massacre. Plus kidnapping. Plus division. Yon kilomètre route pas faite. Peuple haïtien rete, c'est comme si rien n'était. Même ta remè koné, ki médicament Ariel Banou, ki fè nou vague gon sa ensemble avec. Et tandis que nan jou passé, trois chiens mouri nan pays, gros manifestation fait. Est-ce que peuple haïtien jamais manifesté vraiment pour intérêt? Mesdames, mademoiselles et messieurs, cause yo compliqué. Autorité dominicaine yo déporté 3500 haïtiens sous frontière Wanamet, Malpas, Belade ak Ansapit. Sorti 10 pour arriver 16 juillet 2023. Plateforme organisation Cap défendre droit moun yo dénoncer déportation massive haïtien yo continue à sibi en bas mais autorité dominicaine yo qui contrait ensemble avec convention te signé ak Haïti. Plateforme nan mande l'état haïtien prend responsabilité face à dossier ça. Ancien président KEP Pierre-Louis Opon jusqu'à présent, toujours dans mes kidnappés, malgré madame victime qui c'est Marie-Lucie Bonhomme, dit le ravisse Yokob. Il fait appel ensemble avec conscience kidnappés pour libérer Maril qui maladif. C'est lundi 17 juillet, examen de vie année fondamentale a démarré dans 10 départements pays. Pour première journée, candidat yo composé dans communication française ak science expérimentale dans divers centres. TAC 509 te visité. Candidat yo exprimé contentement yo sous déroulement premier jour examen. Coordination département l'Ouest, parti politique Petite Dessalines exigeait de pas premier ministre Ariel Henry sans condition. Coordination a dénoncé comportement l'épée vague responsable dans le gouvernement devant situation malouk haïtien a fait face tant qu'une insécurité grand goût la vie chère pour citer ça seulement. Opinion certaines organisations et partis politiques divisés sous éventuel débarquement d'une force étrangère dans le pays. Si parti politique Petite Dessalines compte toute l'idée pour une force militaire étrangère pour les sols haïtiens, Organisation citoyen pour une nouvelle Haïti plaide en faveur d'un débarquement force pour venir aider la police combattre insécurité en dedans pays. Eh bien, dirigeant plateforme sa yo, qualifié hypocrite tout moun kap di yo pas besoin blanc alors que yo pa vle chita pour yo résoudre problème insécurité. Mesdames, mademoiselles et messieurs, genye dirigeant combite organisation politique, syndicale ak populaire yo apparaît pour mobiliser contre gouvernement Ariel soti 19 pour rive 28 juillet kap vini la. Yo pral exige de pas premier ministre Ariel Henry, yo estime ki pa fait an yé pour améliorer condition la vie population. Et non seulement ça, tout se pral occasion tout pour yo al exige membre coup supérieur des comptes publié arrêt de bain sous dossier gaspillage l'agent Petro-Caribé. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans le journal Tout Haïtien Connecté. Foucault Zami InfoPow qui a présenté édition ça. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'ennuyez. Encore une autre fois, m'a dit merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait nous plaisir. En pile, encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là, pour pas rater aucune vidéo. Zami Paou, Foucault. Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Ça t'a dit journée jodi ya, Haïti t'a douce comme ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, m'a rappelé m'nan jou passé yo. Trois chiens mouri dans le pays d'Haïti, gros manifestation faite. Yon accident fait, gros manifestation faite. M'pa besoin de dire, quantité manifestation qui fait pour insécurité, pour kidnapping, pour la vie chère, pour la misère, pour corruption. 2 ans Ariel Henry nan tête en pays. Bilan égal à 0. Dans de l'année ça, grand goût multiplié 4 fois dans le pays d'Haïti.
Parce que les Jovenel Moïse, t'es là, bagay yo pas de konsa. Joune jodi am ta reme pose chaque haïtien kap vive dans pays d'Haïti, combien on te kon achete ti mami diria les Jovenel Moïse te la? Joune jodi a, combien ti mami diria van? Et nan moment ti mami diria tap van 60 combien goud? Yo te kon sorti dans la rue manifester contre la richesse, contre la misère, contre l'insécurité, grand goût a pété fiel yo. Mais journée jodi a l'argent même triplé peuple haïtien. Moi pas ouais, population en sorti pour dénoncer phénomène grand goût. Quête. Est-ce que c'est sous fake nous t'ayé ou bien nous t'es sérieux? Qui ça te pousse nous sorti à le manifester? 2 ans Ariel Henry en tête au pays, plus massacre. Oh, nan jou passé yo. C'est temps en temps te kon sorti dénoncer massacre qu'a fait dans quartier populaire yo. Mais ça que fait journée jodi a, nous rete sous bloc glace nous, m pa tande nous di why par rapport ensemble de massacre qu'a fait toute la 5 journée. Non. On vient à bay tête moi raison on côté. Parce que gon façon m'te kon wè rapport qu'on a sorti les Jovenel Moïse te là. Gon façon l'ONU garde Jovenel Moïse. M'di ket, pou di les ap gen vrai massacre dans pays d'Haïti, ap gen organisation droit moun ki pou écrit pou di mais ça k'ap passé dans quartier populaire. Effectivement, chose dit chose faite. 2 ans Ariel Henry nan tête au pays, gen plus insécurité. Rive nou kafou, mini justice dou, il y a des territoires perdus, défend tête nous. Pendant le fin di nou ça, diaspora kap mande explication, ki lè mes amis pays a bon ti kal sécurité. Hey, ou pa gen lòd pou pase m. Ou ret nan confort, vin pase moun dou. Mais à la fin, peuple haïtien, nous avons un problème ensemble avec ça qui est légal? Non. Est-ce que nous avons un problème ensemble avec un gouvernement qui est légal, qui a légitimité, ça veut dire qui sorti dans l'élection? Je ne peux pas comprendre comment on a réagi pendant le dernier moment. 2 ans, Ariel Henry en tête au pays, il y a plus de division. Oh, nan jou passé yo. Messieurs, dames, journée jodi a, yo chaque bon prend code yo après dit, pas ka yo pas ka jouer un consensus de l'année après assassinat au président. C'est tout moun sa ou te met ensemble, la bataille continue, kade nou yo mobilisé matin midi soir. Mais dis non, peuple haïtien. Kote moun ki te kon nan tête bonne nan. Kote moun ki te kon porter revendication ki te kon ap défend nou yo. Ça passé. Et moun nou pa gen ki fè jounen jodi a, kade nou ap pran balou au fond ou bouche nou pou brè de l'eau senti. Donc c'est moun nou pa gen pou pale pou ki fè jounen jodi a ou aksepte gang nan tout niveau, nan tout institution nan peyi a. Nous même rive nou kafou, on bandi kanpe la bdou kon sa, mte nan hôtel ak premier ministre la. Mwen genye soldat nan cortège. Chef police là, si parole ça a été répété pendant Jovenel Moïse était vivant, la République t'a crasé, oui. Il t'a moulé, il t'a décollé la République dominicaine, oui. Dès l'année Ariel nos pays, pays a dépoloté, pas même gagné un kilomètre route qui fait. Ça veut dire peuple haïtien pas de chambre gen problème grand ouvré. Emile Goudou te kon metode yo. Si c'est pas Emile Goudou te metode yo. Depuis sous 3 mois après assassinat président, monsieur ça yo pas tap la encore, tap gen tan bay au bois calé. Yo pas tap la encore. Gaz monte 2 fois et pays crasé, pays lock. Peut-être 20 goud yo ap mette son galon gaz. Jounen jodi a combien le vann? Et à chaque 1 centime augmenté sous gaz là, prix tout produit monté dans le pays,
nous valer le glout. Donc moi fin comprendre c'est que ou pas gen problème insécurité vrai. Ou pas gen problème grand vrai. Ou pas gen problème route vraiment. Ou pas gen problème yo. C'est un petit cob yo te ba ou sorti et puis ou al fait son gen pour faire après son retourner. Si m bien comprendre journée jodi a si yo ba ou un petit cob yo dou sorti ou ap sorti et puis ou al manifesto crasé pour rentrer la caillou. Ou pas manifester dans intérêt ou vraiment. Ou t'as manifesté dans intérêt André Michel. Ou t'as manifesté dans intérêt Nenel Kassi. Ou t'as manifesté dans intérêt Boulos Dimitri Vob. Ou t'as manifesté dans intérêt oligarque corrompu ou pas t'as manifesté pour intérêt ou. Parce que si ou t'es grand gouvernement, journée jodi a par rapport à ça qui a passé, moun sa yo pas t'as là déjà. Moun sa yo pas t'as là encore. Ariel Henry toute la sainte journée qui tourne petit oiseau cap courir monter courir descend li pa tap la encore de l'année oui on pa tande nous dit quit ça veut dire pas gen journaliste vraiment qui tap défend pays qui tap défend peuple tout c'est l'argent yo tap fait son travail yo tap fait journée jodi a yo nan berchon joyeux tout micro off nous gon problème ensemble avec moun qui élu dans pays a Haïtien à l'aise dans la corruption. Li remele la plaigne pour le manger. Li refuse vivre tant que moun. Mais c'est quoi l'histoire? À la traka pour la vekaïté. À la fin, frères et sœurs bien-aimés. Haïtien conséquent. Ma comprenne. Nation ça, c'est ben yon bo qui tombe. Oui, ben yon bo qui tombe. Parce que son série de moun. Qui vous pour bourri, que vous pour sac paille, en même temps, yon a deux choix là, yon a pas le mal. Yon flou, yon pa kon kote ou yon kampe. Kote de l'eau a coulé, puis frais, c'est là yon kon di nan mio. L'on pa gen position dans la vie, ou a passe mise. Non, ou a passe mise. En tout cas, bon courage, moi nous gen courage. Jusqu'à présent, moi nous rete nap gade Ariel. Yon présumé assassin dans tête ton pays. Adje la vie sa. Hein? Pas de manifestation. Pays a 12 kousi wo. Tout ça yon fait nous gloup nous valel. Wow. Nous sommes bon peuple. Bon courage, peuple ici. Coordination départemental l'Ouest, parti politique Petite Dessaline dénonce comportement l'épée vague. Responsable yon gouvernement devant Zak insécurité yo. Sous régime ça, condition population a vin pi compliqué. Yon gouvernement qui échoue dans mission, d'après David Wilfried, qui se porte-parole coordination, qui exige démission chef gouvernement Ariel Henry. Entendez le nan micro tak 509. Coordination départementale là, et constate que situation insécurité a vin pi grave dans le pays a, et gouvernement pas prend pièce mesi pour colmater phénomène, nan. Ça veut dire que la question de sécurité n'est pas une priorité pour le gouvernement. Ça. Puisque le phénomène de sécurité a permis de pérenniser la tête dans le pouvoir, situation économique et population est plus difficile à cause du produit de première nécessité qui a monté. Malgré le gaz a baissé sur le marché international, le gouvernement Ariel Henry n'a pas décidé de descendre Jean-Loi 1995. Là. Malgré l'éloge que l'État a fait, sous quantité d'argent yon entré comme taxe, même employé l'État pas capable de recevoir salaire comme ça doit. Là nous considérer 20 juillet 2023 à faire gouvernement Ariel là 24 mois comme premier ministre dans tête pays là. Là nous considérer que Ariel Henry pas prend pièce disposition pour améliorer conditions monde qui pi mal. Là nous considérer c'est pire équipe Ariel Henry a pillé pays à net. Les nous considérer situation pays à sous plan économique, politique et social, vin plus grave. Les nous considérer Ariel Henry échoué dans mission. Il était gagné comme gouvernement provisoire pour toute raison ça yo, coordination parti politique et petite Dessalines départemental l'Ouest. Mandé 1. Démission pressée Ariel Henry. 2. Formation, un nouveau gouvernement, Union nationale. Avec mission pour résoudre le problème de sécurité, pour former un conseil électoral côté cap inspirer tout le monde confiance,
et c'est organiser bon genre élection dans tout pays. Coordination parti politique Petite Dessalines départemental l'Ouest n'a mobilisé et participé dans tout mouvement qu'a fait pour chavirer Ariel Henry dans tête primature. Ariel seulement qu'a dirigé pour côté. C'est quoi chaque nèg ministère son pays vicieux. Coordination départemental l'Ouest parti politique Petite Dessalines contre toute l'idée pour une force militaire étrangère une foule sol haïtien. Gilo Jean Eugène, secrétaire général coordination, rappelait mauvais souvenir force sa yo qui était pour pays d'Haïti. Il dénonçait international là qui contribue dans état lamentable pays d'Haïti trouvé le journée aujourd'hui. Entendez dans micro tac 509. Leader charismatique parti politique Petite Dessalines, Dr. Maurice Charles, à chaque fois, il parle clair sur la question de force étrangère pour entrer dans le pays. Nous-mêmes, dans la coordination départementale Ouest, nous fixons position déjà sur le point ça. Parce que toute force étrangère, il n'y a pas jamais de l'autre mission, surtout en Haïti. Première mission, le gouvernement ne doit pas de force ou bien pas de capacité pour diriger le pays. Et bien, seule façon pour lui être sous pouvoir, c'est par des forces étrangères. Deuxièmement, force étrangère, à lui-même, elle vient, pas gagner aux gens viennent côté pour nous. C'est venir faire élection, et comment on dit, et venir faire élection, élection frauduleuse, venir faire élection pique-coller, merci, vraiment, venir faire élection pique-coller, et bien, ben nous des pouvoirs champouels, ben nous des pouvoirs sanguinaires, ben nous des pouvoirs sans foi ni loi, bon nous des pouvoirs oiseaux bec fait ou là pour capable non seulement aller décherpiller tout tirer sous pays à gagner en bataille yo pas jambe bien l'autre mission c'est seulement c'est ça que fait nous mêmes dans parti politique Petite Dessalines coordination départementale de l'Ouest nous lever voix nous autres nous dit nous pas d'accord à aucune force étrangère pour qui venir dans pays parce que dans état nous là c'est yo qui mettez nous là. Nous ne pouvons pas applaudir pour venir là toujours. Ce que sont forces étrangères, ce n'est pas nous-mêmes. C'est le résultat que nous gardons. Ce que sont forces étrangères, ce n'est pas nous-mêmes dans le parti politique Petite Dessalines. Ministre a deviné, ministre a deviné. Et qui est-ce que nous avons là? Binité là. Ou là? Bon, c'est tout phénomène ministre même. C'est pour nous garder. Ministre a l'équité pour nos choléra. Ministre a l'équité pour nous. Dans le quartier populaire, dans le milieu rural, il y a un paquet de bonnes personnes, je dis à qui sans papa. Le ministre a l'équité pour nous. Et quand pile nous a dit dans le ghetto, c'est le ministre qui distribue plus fort les armes. Ou là, qui est dans le ghetto, je vous dis. Et nous avons gardé toutes les armes qui sont dans le ghetto, à qui côté vous sortez. Vous sortez dans la zone Floride, ce n'est pas nous-mêmes qui disons. C'est le rapport où nous suivons. Ou là, si nous disons, je dis, pour nous avoir l'applaudissement pour nos forces étrangères venues là, et bien nous-mêmes, sacré l'histoire, nous ne pas garder. Ça, c'est un. Deuxièmement, sous question, nous-mêmes, pas cacher ensemble. Nous d'avoir avec vous, en tant que journaliste, ou même pour faire comme ça. Mais ce n'est pas nous-mêmes dans Petite Dessalines. Nous faisons tout ça, nous sommes capables pour nous mettre toute force nation en Chita ensemble. Nous faisons tout ça, nous sommes capables, nous-mêmes, dans le parti politique Petite Dessalines, pour nous mettre peuple en Chita ensemble. Mais où toujours joindre dans mi temps nous des oiseaux bec fait, où toujours joindre des esclaves à mental, où toujours dans mi temps nous des esclaves à plume qui toujours a survolé ou là pour faire soit blanc plaisir, la communauté internationale plaisir, tout ça nous tenter nous-mêmes dans parti politique Petite Dessalines, yo boycotté. C'est pas nous-mêmes. Dirigeant organisation citoyen pour une nouvelle Haïti, gagné Maître Camille Oxius, plaide en faveur débarquement une force militaire étrangère en Haïti pour venir aider la police qui impuissant venir combattre phénomène insécurité. D'après homme de loi, c'est irresponsabilité l'État qui la cause peuple à entrer dans défendre tête li ensemble avec mouvement Bois-Calais. Li qualifié hypocrite tout le monde qui dit yo pas besoin blanc alors que yo pas vle chita ensemble pour résoudre problème pays a. Bois-Calais, li prend naissance et cause et incapacité l'État, faiblesse l'État et nous en plein 21e siècle. Donc c'est l'État qui doit travailler pour garantir sécurité chaque citoyen. Mais étant donné l'État lui-même n'a pas gain autorité, parole n'a pas fait autorité, donc citoyens yo même yo et défendre tête yo. Mais nous même plaidoyer nous faire c'est plaidoyer pour que c'est l'État qui prend responsabilité. Dans le phénomène Bois-Calais, personne parle à l'abri.
tout le monde menacé, quitte ou t'es civil armé, quitte ou t'es civil armé, le fait que c'est citoyen qui a réagi, donc émotionnellement, n'importe qui a passé à l'infinitif. Nous-mêmes, nous croyons que le plaidoyer, c'est demander à l'État pour prendre responsabilité, pour ce n'est pas la population qui défend la tête, mais c'est l'État qui doit prendre responsabilité. Dans le niveau CNH, nous sommes toujours clairs. Et nous faisons un plaidoyer pour une intervention d'une force étrangère. Là-dedans, il y a un accompagnement technique pour les policiers. Là-dedans, il doit gagner une réponse humanitaire et il faut gagner un bon genre d'encadrement pour les policiers. Donc, nous croyons, dans ça, nous sommes là, il faut sortir de l'hypocrisie. Ça. Une hypocrisie, une série de discours dans le pays qu'on est là. Tout le monde a dit, il n'y a pas de blanc. Pendant qu'il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de chita ensemble. Ça qu'a fait là. Il y a deux personnes qui ont intérêt là-dedans. Il y a deux personnes qui ne peuvent jamais le résoudre vraiment. Parce que vous avez intérêt. Lorsque vous n'avez pas qu'à traverser dans le Grand Sud ou dans l'obligation pour prendre un avion, vous avez intérêt. Ou pas qu'à dans le Nord ou dans l'obligation pour prendre un avion, vous avez intérêt. Donc, en quelque sorte, vous avez des gens qui ne peuvent jamais vouloir pour ça qui est là, le résoudre. Nous ne pouvons pas demander question d'occupation. Nous aimons le pays. Nous. Mais nous ne pouvons pas croire dans un discours hypocrite qui dit qu'il n'y a pas besoin de force étrangère. Pour nous-mêmes, la présence d'une force étrangère est importante. Parce que nous croyons que ça a fait à la police impuissante. Ancien député Kotoa Astrel Dolné dénonce situation catastrophique population a fait face depuis quelque temps. Ancien député 49e législature qui présentait un tableau noir coulant sous de l'année premier ministre Ariel Henry dans tête pays a dénoncé une série de acteurs qui dans gouvernement Ariel Henry qui était dans la rion certains moments qui dans pouvoir ensemble avec Ariel qui a réglé les affaires personnelles yo qui dans danger a présenté nous un reportage sous dossier ça 20 juillet cap vini là a fait 2 l'année depuis premier ministre Ariel Henry dans tête pays a pays a continué à nager dans une instabilité sociopolitique et économique et sans compter insécurité a qui continue à valer terrain. Réaction par suspendre multipliée sous 2 l'année premier ministre Ariel Henry gagne en tête pays a ancien député Okotoa Asnel Dolné dressé un tableau sombre et puis dénoncé une série acteurs qui bon Ariel Henry qui était dans l'aria qui a réglé affaires personnelles yo. Annoncé déjà, depuis avant même le président Jovenel Moïse, et que nous résistons tout farouche à président Jovenel qui a abouti à ça aujourd'hui. Et nous avons demandé, est-ce que c'est le même président, le calme pas un autre, mais deux petits petits pour Jovenel Allé, tout le monde a le calme, et je à vous mettre, comme un de Michel Tchot, comme un établissement sont autres. Ancien député 49e législature l'an, mandé ensemble acteurs politiques yo, bay pays a une chance. Ancien parlementaire a kwè, c'est chimè dialogue qui ka résoudre crise politique pays a. Quand que pays a tombé dans trou, qui est-ce qui mette le poids politique? Seul bay qui vous souhaite. Soit en tête nationale. Vous oubliez tout le bagage. Si nous prenons une grande négociation, on a pas appelé de sa classe, nous pas besoin de rien comme solution. L'année Ariel Henry dans tête pays a. Situation politique pays a vint plus compliquée. Occasion côté divers acteurs a exprimé indignation des régimes PHTK 3e version ça. Ensemble parti politique et organisation populaire annoncé journée mobilisation devant Primati 20 juillet qui vient là. Est-ce que mobilisation ça a fait recette? C'est question. Cap posé. Depuis Port-au-Prince, Haïti, Kenan Danger, TAC 509. Gagné combit organisation politique, syndicat ak populaire annoncé 3 jours mobilisation pour 19, 20 ak 28 juillet kap vini la dans l'idée pour exiger membre coup supérieur des comptes yo publié arrêt de ben dans dossier gaspillage et l'argent pétro-caribéen et non seulement ça tout exiger de pas premier ministre Ariel Henry yo estimé qu'il pas fait rien pour améliorer condition population Guinima membre combit la lancé un appel bay population pour porter coller dans mobilisation ça en dedans d'il. Et premier activité mobilisation dans le pays pour faire société n'a fait devant la tour des portes pour nous demander conseiller la tour des portes là prendre responsabilité. Nous va demander mercredi 19 à 10h le matin nous va camper devant la tour des portes pour demander conseiller la tour des portes prendre responsabilité. M'a dit nous dans moment
gagné un pile dossier qui paraît pour juger, pour jugement à Renébert. Mais il y a un pile de tractation qui a fait la cour pour bloquer le dossier. Petro Mafia, il a fait pression, il a mis l'argent dehors pour bloquer le dossier Petro Caribe pour procès à ma fête. Même si on a fait pression pour le rapport Petro Caribe, on a sorti, nous voilà pour des comptes. Mais nous allons continuer à faire pression, nous voilà pour des comptes, conseiller, juge dans la cour, de responsabilité, pour faire jugement. Donc c'est pour ça, mercredi 19 qui a venu là, on a invité toute population, on a invité les journalistes, tous les citoyens, femmes et garçons conséquents, viennent camper à partir de 10h du matin, nous voilà pour des comptes, on a demandé conseiller, pour responsabilité, pour voler mafia qui pille la jette de Galibéa, pour remettre le corps de Galibéa. Il y a un pile, il y a plusieurs rapports qui sont dit qui ont été doués sur les bourgeois, sur l'autorité dans l'État, sur les compagnies qui sont impliquées dans le pays de la Jamaïque caribéenne. Nous connaissons et des sanctions internationales qui feront compte en pile dans l'eau. Nous n'avons pas demandé de la caribéenne encore. Nous avons demandé de remettre la Jamaïque caribéenne. Donc il faut que la justice dégage lui pour mettre déjà, pour mettre déjà, pour mettre des codes dans la mafia, dans le volant, pour remettre comme Petro Caribe. Après la mobilisation 19 ans, 20 juillet qui va venir, va faire exactement 2 années depuis comme nous là, et mettre Ariel Henry dans la tête de l'État. Je ne veux bien nous constater que Ariel Henry a tout pouvoir dans la main. Ariel Henry, président, même s'il va voter non. Ariel Henry, premier ministre. Ariel Henry, ministre intérieur. Ariel Henry, ministre justice, même s'il met donc porté dans la tête ministre de la justice. Vous connaissez Ariel Henry, ministre justice. Ariel Henry, sénateur. Ariel Henry, député. Ariel Henry, magistrat. Ariel Henry, tout occupé, tout possible pour lui. Donc l'État n'a même qu'un groupe là. La Lime, l'ambassade américaine mettait l'État dans le même groupe pendant que vous-même avez dirigé le pays à votre contrôle. Et 20 juillet, il fallait là, ça fait exactement 2 années depuis qu'on groupe là, qu'on mafia mettait Ariel Henry dans cet État. Vous constatez, au lieu d'Ariel Henry travailler pour améliorer les conditions de la vie population, Ariel Henry envlimé davantage. Situation malou, population d'abus. Pour la sécurité, nous avons un rapport pour la quantité de policiers qui mourent pendant tant Ariel Henry sous pouvoir, quantité de journalistes qui mourent, quantité de citoyens, femmes et garçons qui mourent, quantité de kidnappings qui fait, qui ont un pays à gangsteriser, C'est Bois Caléa qui se fait population ralenti souffre et nous constatons. Automatiquement, Bois Calé a ralenti et mes gangs ont remonté le volume de sécurité. Et pour voir Ariel là, qui était national, de faire tout ça au capable pour faire tout ça au capable pour essayer de craser, mouvement Bois Calé. Oui, je ne veux dire pas, pour prétexte, je vois un père américain, Alfred Gang, je signe un accord de paix pour eux. Je connais ces manigettes, je fais bagarre ça pendant. On l'autre bord, il a demandé aux forces d'intervention multinationales au bus dans le pays. Et nous connaissons ça, quatre autres pays dans la famille, son mobilisation populaire au bus. Donc, pas les forces multinationales au bus, il y a parlé. Nous connaissons le pays après plusieurs occupations déjà. Depuis 1915, il y a plusieurs interventions militaires qui font dans le pays. Et nous voyons qui rôle les forces internationales jouer dans la maladie. Nous avons un choléra, nous avons gangstérisé le pays. Niveau gangstérisation, nous avons nous pas gagné en vente force multinationale, Nations Unies, qui vient dans le pays. Ils ont contribué beaucoup à gangstériser le pays. Et je commence à dire que ce titre-là, la ligne dit très clairement, le secrétaire général des Nations Unies a dit très clairement dans le rapport, il était bail
devant les Nations Unies pour 2020, c'est pas l'année 2020 ou 2021, je t'ai dit très clairement que G9 là, vous voyez l'important, on a baissé le niveau de sécurité, qu'on y a eu aussi un soi-disant accord de paix entre eux, pour ne pas tirer sur l'autre, c'est pas pour pas tirer sur la population. Je vais prendre l'autre rapport de la là, pour dire bon, pour accord de paix là, dans le compliqué, améliorer la sécurité. Je veux dire, les Nations Unies montrent très clairement que ce n'est pas les gangs. Ce n'est pas les gangs, ce n'est pas les gangs. C'est eux-mêmes qui contribuent à mettre dans sa nuit là. Donc, nous ne pouvons pas le vendre. Nous ne pouvons pas l'attendre que c'est eux-mêmes encore qui ont résolu le problème. Gagné président, regroupement, organisation pour intégration militant engagée d'Haïti, Bertoni Théodore, fait appel ensemble avec conscience à acteurs politiques pour être payé dans tous les nouvelles journées aujourd'hui. Militant politique l'a mandé à Premier ministre Ariel Henry respecter décision ancien président Jovenel Moïse te confié là, qui se résout problème insécurité, faire référendum, à organiser élection dans le pays. Bertoni Théodore, t'es dans le micro TAC 509. Et c'est mettre sécurité dans le pays et puis faire référendum. Troisième, non, c'est faire élection pour être capable de gagner un monde qui est par les peuples qui peuvent diriger le pays d'Haïti. Et le pays a gagné des problèmes là-dedans. Premier problème, c'est la conscience. Deuxième problème, c'est la loi. Il est temps pour nous conscientiser ensemble pour nous servir le pays. Parce que, en point exemple, bataille des Vetchers, 1er janvier 1804, nous prenons l'indépendance. Jeudi, nous toujours dans la caméra. Nous avons 219 années de l'indépendance. Mais je dis à nous, même gens, frères avec scène, nègres avec sandales, qui n'ont ghetto, je dis à ces nègres avec ce pour marrer. Parce que quand on parle aux nègres sandales dans le ghetto, à partir d'un ZAM 16 000 $ américains, 20 000 $américains, non. Je dis à nous même, en tant que jeunes, en tant que avenir pays, nous dit, faut que la sécurité dans manger, il faut que la sécurité dans le pays, faut que le référendum fait, faut que l'élection fait. Et je dis à nous te dire, c'est fait de route ça, président Jovenel Moïse Tebaï et PM Ariel Henry. PM Ariel Henry, numéro 1 pour te faire sécurité, c'est pour te faire référendum, c'est pour te faire élection. Ok? Mais je dis à nous-mêmes, nous avons demandé, il faut élection faite dans le pays pour que les gens qui parlent par les peuples qui peuvent diriger le pays. Parce que tout le temps, pas de élection qui fait dans le pays, il y a toujours une stabilité. Il y a toujours un gourmet, il y a toujours un conseiller des détails qui a fait. Là, je dis à nous-mêmes, moi-même en tant que Théodore Bertoni et président Wami, qui c'est le regroupement des organisations pour l'intégration des militants engagés d'Haïti, nous-mêmes nous prenons responsabilité nous, pour nous capables mettre le pays à son rail démocratique. Vous posez une très belle question. Avant d'attendre le barbecue qui t'a parlé, qui t'a dit négro, on fait la paix, on ouvre des pays, parce que nous pays de l'échange. Canada n'est pas venu payer pour nous, la France n'est pas venu ranger, Saint-Domingue n'est pas venu ranger, Angleterre n'est pas venu ranger, États-Unis n'est pas venu pour nous. C'est nous qui pouvons être ensemble. Pour nous ranger le pays. Je ne dis pas, on va garder le ghetto, on dit qu'on s'en fait la paix parce que vous avez même vivre dans le pays, parce que vous n'avez pas un côté pour y aller. Je ne dis pas, c'est négatif, c'est moi qui ne dis pas, et vous pouvez marrer parce que le ghetto n'a pas de problème. Vous voyez, et les gens qui ont des âmes, qui ont des balles, mais le ghetto n'a pas de problème. Vous voyez, parce que vous voulez unir, vous voulez déposer les âmes. Mais pour déposer les âmes, ce n'est pas attaquer, ce n'est pas aller avec vous, faire comprendre. Parce que, par exemple, les États-Unis, l'op conseil des grands hôtels capables de nek sa yo kagoumé yo ka bataille yo patrouyer yo c'est point yo prend yo mettre dans la mer yo aller former yo mettre dans la mer puis mettre dans centre et puis yo ba yo tout ça yo gen besoin mais je ne jodi a tout ça qui bon dans pays yan pa kap détruire n'a brûler bay blanc ah bay blanc vini prend yo la lavel on sait yo blanc prend yo la lavel nous pas connait importance mais nous connait importance jodi a on pas dit nek sa c'est bandi c'est nèg avec ceux qui bandi. Ancien président KEPA, Pierre-Louis Opon, jusqu'à présent, toujours dans mes kidnappés malgré rançon madame victime, nan, qui se marie Lucie Bonhomme, Dilibay Ravisseyo. Journaliste a fait appel ensemble avec conscience kidnappé pour libérer Maril, qui maladif. Maril Lucie Bonhomme, te parle ensemble avec nous. Depuis le kidnappé, le premier contact avec Ravisseur m'a demandé pour que yo capable de prendre médicament pour lui. Nan même. Finalement, c'est 14 juillet, vendredi. Que yo accepté prendre médicament, c'est-à-dire ça livre le dit en pile pour yon monde qui a un problème santé ça et puis pendant 26 jours li pa gen accès à médicament. Donc moi parlé avec Pierre Louis pendant 3 fois n'a dit ça mais c'est quelques secondes pour pas poser une question même c'est qui j'en y est là
Et puis, bon, nous-mêmes, nous avons gagné dans la bataille, parce que nous-mêmes, sommes combattants, mais nous vivons dans le pays d'Haïti. Demandez pour que vous soyez capables de battre, vous capables de gagner. Le message là tout, c'est que je suis capable fait tout ça que je suis fait avec aide, support, membres de la population, pour que nous soyons capables de libérer et puis le reste, puisque tout le monde connaît son chrétien, il reste là, il n'a pas bon Dieu. Une forte chanson que je m'a dit et que pour nous-mêmes, c'est inatteignable, nous ne pouvons pas gagner mon temps ça. Donc nous ne pouvons même pas arriver là, du tout. Nous ne pouvons pas gagner, nous ne pouvons pas gagner de moyens pour nous être capables de collecter. Même si il y a des gens qui sont capables de nous aider, même si nous sommes capables de faire prêt, nous n'avons pas de moyens ça du tout. Nous avons demandé de grâce, libérer Pierre Léopold pour permettre les capables de prendre soin de santé, libérer pour capable de continuer le traitement parce que tout le jour ça que lui fait sans ne pas prendre médicaments, c'est sûr qu'il a dégradé la santé, c'est sûr que ça capable fatal. Je ne suis pas découragé. Moi garder espoir et puis moi penser que ravisseur même y a préparé conscience pour voir que jodi a une nécessité pour capable libérer Pierre Vio. Généralement de livrer des rançons déjà. Nous faisons effort mais ça pas d'ailleurs rien jusqu'à présent. Plusieurs citoyens dans commune Oboy département Nord pays a dénoncé ancien député Jude Charles Faustin. Yo dit qu'ap manigancer un plan pour que li capable assassiner docteur Tony Voltaire ensemble avec Jeannot Saint-Jean. Citoyen sa yo fait qu'on est la vie sous compte ancien secrétaire général Primatia. Quelques citoyens Oboy t'ai parlé ensemble. Ça gen depuis 10 ans Jude Charles Faustin a persécuté docteur Tony Voltaire pour retirer li nan tête Alliance Santé Boy qui c'est un partenariat l'état haïtien avec groupe international pour placer un cousin li qui médecin également. Mais depuis un an campagne persécution sa yo campagne de dénigrement et de complot d'assassinat en l'autre forme. Côté que toute tentative pour essayer de Dr. Tony depuis 10 ans pas marché, eh bien, depuis juin 2022, monsieur est rentré dans une perspective d'assassinat. Côté que, je dis, hein, depuis un an, monsieur fait une campagne d'assassinat de caractère, rangé avec des mounes, pour dire que Dr. Tony lié avec question criminalité, avec question gang, y compris moi même tout, lié associé avec ça. D'ailleurs, qui pas même à vivre dans le nord, qui vivent pas tout prince, mais qui vient dans le nord seulement pour activité académique, mais le vient faire cours dans l'université dans le nord. Mais monsieur lié nous avec une question gang juste pour assassiner caractère nous et éventuellement pour assassiner nous. Ça gagne un an depuis, t'as gagné des actes d'assassinat qui t'est passé au boy, et moi même et Dr. Tony pas gagné pour avec Barry Zayo. Côté monsieur t'es utilisé 40 moun parmi eux, t'es qui scadé, qui c'est un amurier, nèg qui fait bataille contre la médaille, qui fait bataille armée au boy qui t'a joué question zam au boy monsieur point TV qui ça avec petit TV qui pour quand même 18 ans mettez non environ 40 moun dans en pétition ça date plus de 1 an ça pas marché m'a dit qui se passe là côté monsieur utilisé Guillaume qui c'est un employé dans primature ça veut dire un subalterne du Charles Faustin écrit un article m'a dit 11 là pour dire que dans moi j'ai que se passer là voilà côté mon boy pas qu'à vivre gang a théoriser mon boy c'est docteur Tony qui bail monsieur ça zam la parle des zam au boy tout monde connaît question après coup d'état Aristide moi même c'est 6 ans t'ai dans l'intervalle mais c'est TV qui tabji bagay ça aujourd'hui c'est Tevekus j'ai utilisé comme enfant de cœur pour dénoncer moun monsieur dit en 2004 docteur Tony t'a lagué ou dit en prison ou dit en 2004 docteur Tony était médecin a fait médecine Cuba pas même en Haïti moi encore pour même gain 18 ans monsieur gain un groupe nèg qui associé avec qui aux États-Unis c'est des nèg qui n'ont fait faux pièces plus monsieur gain juge de paix qui là au cap là monsieur a fait tractation pour assassiner docteur Tony nous là pour alerter opinion publique là que persécution ça dénigrement ça dit Charles Faustin a fait contre docteur Tony c'est parce que depuis 10 ans l'a goumé pour en tête l'hôpital là il pas capable et bien jodi a la fait un assassinat de caractère qui pourra le suivi des assassinats physiques parce que jodi a il y a un discours facile dans la rue lors un monde gang n'importe qui monde quartier pour bal bracaler puis les agents Charles Faustin lui préparer mon lit qui pourra assassiner docteur Tony qui là au boy en tête Alliance Santé Boy. Alliance Santé Boy c'est unique institution oui jodi a qui fonctionner au boy c'est deuxième hôpital public oui Alliance Santé Boy dans le département nord après l'hôpital Justinien. Tandis que Tony te prend avec un infirmier seulement, laisse le docteur du Osier pas là encore. Mais je dis maintenant qui au boy passe deuxième hôpital, l'hôpital public, bien entendu. Je dis là, sous besoin un vaccin anti-corona, la COVID-19 là, c'est au boy seulement, il est disponible. Moun sorti en plusieurs autres départements à cause des programmes États-Unis pour venir prendre vaccin au boy. Oui. À la traque pour la vécaïté dans le pays. Sa. Plateforme organisation qui a défendu le droit moun yo dénoncé déportation massive haïtien yo, continue à sibi en bas mes autorités dominicaines yo. Soti 10 pour arriver 16 juillet, République dominicaine pimpe 3500 haïtiens sous frontière Waramet, Malpasse, Belade ak Ansapitre. Situation pi compliquée dans Waramet d'après dirigeant qui se
Antonal Mortimer qui précisait qu'il y a 2000 Haïtiens qui déportés sous frontière Wanamet. Déportation ça y est au contraire ensemble avec accord haïtien tessien à République Dominicaine d'après défenseur droit moun qui mandé gouvernement assister victimes et puis discuter ensemble avec autorité dominicaine pour respecter accord tessien sous question immigration. Antonal Mortimer t'es parlé ensemble avec nous. Nous constatons c'est même ça qu'on remonte la question expulsion haïtien qui a bien communiqué, sorti 10 privé 16 juillet. Il y a plus passé 3500 mounes. Autorité dominicaine n'y a déporté dans la frontière Wanamet, dans la frontière Bernadette, dans la frontière Malpas qui est dans la commune Gautier, et puis dans la frontière Ossapit qui est dans la Sud-Est. Mais la situation paraît un peu plus compliquée dans Wanamet. Il y a plus passé 10000 mounes qui viennent. Pendant que nous parlons là, animateurs dans la zone et à accompagner plusieurs centaines de mounes qui eux-mêmes, c'est mounes dans la Sud-Est, c'est mounes dans la grâce de Ya. Jérémy, les cailles, dans la zone Niplan, parce qu'ils ont arrivé dans Wanamet, ils n'ont pas les moyens pour les déplacer, ils n'ont pas les manger pour les manger. Et, Mountario, majorité là-dedans, ils ont arrêté aux ouliers de travail, ils ont arrêté au dans la rue, ils ont arrêté la caille, pour prendre qu'ils ont pris un ambis, ils ont pas quitté, ils ont pris affaire, ils ont arrivé dans des conditions déplorables qui violaient dignité, qui violaient droit. Déportation, ça, ils ont contraint avec tout accord, Haïti, si, avec le Dominicain, dans sa concerné des rapatriements, particulièrement point 1, qui interdit déportation faite dans le jour férié, et juste samedi à dimanche, l'interdit toute déportation collective, et c'est contraire avec la Convention américaine, article 28.9, qui dit toute déportation collective, il y a interdit dans le pays membre organisation État américain. Donc, nous, au niveau des Français, plus nous dénoncer ces pratiques-là, et nous appeler l'autorité des pays pour que nous mort à droit sur la question de déportation haïtienne. Qui a fait d'une manière irrégulière, qui a violé le droit systématiquement. Il y a des gens qui ont des situations humanitaires, qui ont besoin d'assistance urgente. Parmi les gens nous recevons dans ces maintenant, on dit une femme qui a des gens, qui a des bébés, qui a des gens qui ont été il y a 5 femmes enceintes qui sont parmi eux, il y a 5 gens handicapés, il y a 200 combien de gens, et il y a des gens qui sont personnes de troisième âge. Donc, les gens ont besoin d'assistance humanitaire. Ça veut dire qu'ils ont besoin de manger, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin d'un côté pour dormir. Dans Wanamet, il y a des organisations qui ont des espaces, mais les espaces ne sont pas capables de prendre tout le monde en attendant les jeunes moyens pour aller à la caillou. Première journée examen 9e année fondamentale, il arrive déroulé dans la commune Tirivière-la-Tibonite sans présence de la police. C'est ensemble secteur dans la commune qui établit un dialogue entre bandits et examen qui baille chance pour déroulement examen qui te gagne en pile doute à cause de violence bandit sa vie. Désir Venesse, depuis Tirivière-la-Tibonite, Abdino Plis. Examen 9e année fondamentale déroulé dans la commune Tirivière-la-Tibonite et la commune Liancourt sans présence la police. C'est ensemble secteur à travers la vie commune qui collectait ensemble dans la société civile là qui discutait et cherchait entente avec les examens qui permettent que l'examen soit réalisé, spécialement dans bouc Tirivière-la-Tibonite qui a la police depuis 26 janvier passé. Ensemble secteur yo a un gros doute pour réalisation examen. Pendant qu'on connaît ces bandits exam qui a fait la loi dans la commune Tirivière-la-Tibonite, professeur, directeur d'école, parents et élèves qui ont eu un peu de suspense à cause de plusieurs directeurs qui ont été kidnappés pendant qu'on a fait chercher fiches pour Timounio dans Gonaïve, directeur Evenel Alisma, collège Jean-Wilbert Lima et directeur Julio Pierre, collège Saint-Pierre, c'est lui-même qui t'a kidnappé pendant qu'on a traversé ce Tigonaïve dans la direction départementale éducation. Pendant que vous avez venu avec Fichot, bandit Kokorat sans race, te mettez mes sous yo dans samedi. Vous avez rejoué une libération yo dans dimanche après-midi. C'est en bas, en pile gymnastique, Timoun yo te vin récupérer Fichot nan à souhait dimanche pour jusqu'à matin lundi. C'était distribution fiche qui t'a fait dans bouc Tirivière-la-Tibonite. Malgré responsable éducation nationale au niveau département, te jouen garantie nan main directeur départemental police nationale là pour te accompagner examen yo pour dérouler à travers région Bala-Tibonite là. Personne par lumière la police. Habitants dans la commune Liancourt à Tirivière-la-Tibonite pas suspendre lever voyo pour demander autorité qui pi au niveau yo pour agir en conséquence pour permettre que la police vienne faire job yo dans la communauté a qui ka permettre que yo vive libre et libre à travers activité yo. Désir Venesse, Tirivière-la-Tibonite, cité Créta Pierrot, TAC 509. Groupe francophone pour environnement GAFE
dans tête collée avec mouvement national citoyen pour climat interminable Haïti, eh bien regrette autorité concernée pas jamais prendre décision pour faire appliquer mesures te prend pour interdire moun utiliser produit styrofoam yo qui baille diverses maladies et puis qui cause inondation les lapis tombés. Pour marquer 10 l'année depuis gen arrêté ça qui signé, eh bien nan jou kap vini yo la dirigeant de parti sa yo annoncé yo pral porter plainte contre fournisseur kap rentre produit sa yo nan pays ya kap détruit la vie moun Ari registre ten nan micro tak 509. C'est une conférence de presse qui chita sur restitution 10 juillet 2023 qui c'est journée nationale citoyenne de mobilisation contre styrofoam. Depuis 2019 vraiment nous pousser chaque année une activité comme ça chaque 10 juillet. Côté que GAF, qui c'est groupe d'action francophone pour l'environnement, avec Mouvement National Citoyen pour le Climat Alternative à Haïti, et Chita mettait en place pour réaliser un ensemble d'actions, un ensemble d'activités dans tout le pays, au niveau 10 départements, pour dire non à la question styrofoam, non à la question boîte ça qui a assassiné le pays, qui a tué la population. Année ça, 10 juillet 2023, li tombé directement, qui fait 10 ans depuis que il était fait sortir, arrêté ministériel, ça qui était interdit, police sirène expansée, toute question, usage unique qu'on est capable de faire de produits ça. Et que 10 ans, encore une fois, que n'a relé dans la rue, 10 ans, encore une fois, n'a pas écrit tout ministère pour nous faire connaître que, n'a pas écrit gouvernement qui fait connaître que, jusqu'à présent, il n'y a pas qu'aux jambes interdit boîte sa yo circuler dans pays. Son boîte que retrouvé li dans toute organisation nationale comme internationale. Ou retrouvé li tout dans ministère yo. Ou retrouvé li tout dans la rue et toute institution a servi avec lui, il a empoisonné population. Li bay cancer, li pas capable de dégrader, li créé inondation, la fumée l'air boule li dit toxique, c'est ravage. Et jusqu'à présent, yo pas encore jambe vle retirer boîte ça en Haïti. Militants, militantes engagés, qui déterminés, qui convaincus, ils ont toujours continué. Seulement pour 10 juillet 2023, ils ont décidé de passer à une autre étape. Étape là, c'était porter plainte contre X. Là où porter plainte contre X, hein, c'est pas parce que ils ont pas qu'à désigner fournisseur. Au contraire, ils ont une liste fournisseur qui a bail boîte ça au chaque côté dans le département. Ils ont une organisation, ils connaissent une organisation qui a utilisé boîte ça. Ils ont un service de l'État, mais un ministère qui a utiliser boîte ça. Première étape là, c'était pour te prendre code X pour montrer que jusqu'à présent, il y a une possibilité pour rattraper, pour bannir boîte ça dans l'institution. Deuxième phase qui va gagner, c'est avec tout cabinet d'avocats qui mobilisé dans tout département ensemble avec nous, puis il y a porter plainte contre fournisseur ça contre monde qui a utilisé boîte manger ça qui a détruit la vie nous. Et moi crois que année ça, il y a une mobilisation effective nous ouais. Il y a une institution qui retrouve, qui vient joindre nous dans la grosse lutte, la grosse combat, ça, parce que tu commences à prendre conscience que c'est pour tout le monde que le résultat ça là bon. Moi, je voulais annoncer nous, 17 et 18 novembre, année ça, nous avons gagné tout, un colloque régional sous question styrofoam ça. Côté que, il y a un pays qui bannit styrofoam ça, qui va partager expérience avec nous, avec des chercheurs tout, qui va présenter des résultats sous question ça, et nous penser encore une fois, n'a continué à alimenter les décideurs politiques pour arriver à stopper boîte ça, capturer nous en de pays. N'a traversé dans la commune Tigouave, Jean que vous regardez photo ça là, frères et sœurs bien-aimés, élément ça relé Salomon Exantus. Gagné 4 jeunes garçons, monsieur fait partie des 4 jeunes garçons qui violé yon ti adolescent. Eh bien, violé au fin violé adolescent, gagné 3 nan monsieur qui gagné après la poudre de scampette et autorité au pral rive déposer la patte sous monsieur. Donc, si petit yon violé a gagné environ 14 l'année. Eh bien, la police mette monsieur en bas code. Nan moment m'a parlé ensemble avec ou là. Li nan poto en attendant, yon capable faire suite judiciaire. Yon m'a rappelé ou action sa passe dans zone de latte. Donc, ou capable garder comment monsieur couche à terre, pression. La police gèle mino tout de men ensemble à tout greni. Monsieur en bas yon kout minote ki pa piti dit tout. Les 4 nèg fè complot ou mette ensemble, yon fè ka déjà son jeune femme. Le la police a arrêté yo. La police ou suppose gonjon minote nèg yo. Avait dit ou prend demain hein, ou minotel pa dè et pou fè gren yo passe nan minote la tout. Avait dit ou minote ni demain ensemble a tout gren ensemble.
Et puis il faut le dégager, il marche. Il faut le dégager, il marche. Ça fait le choix pour faire le fret. À la traque pour la vie, papa. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nous connaissons, eh bien, équipe pays d'Haïti, mesdames, al participer dans la Coupe du Monde féminine qui a déroulé dans le pays Nouvelle-Zélande ensemble avec Australie. Comment match a déroulé? En nous tendant, Jonathan Charles, cap dis-nous plus sous dossier sport. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour nous capables de servir dans la rubrique sportive. Ça. Côté, c'est Jonathan Charles lui-même qui a présenté nous. L'actualité, c'est football sur le plan local. Nous avons démarré ensemble avec Football Transfer. Gagné Fred Le Christophe, lui-même qui signe une équipe à Châteauroux, un club en première, en troisième division, pardon, dans le pays de la France. Fred Le, lui-même qui c'est Timon Léogan, monsieur lui-même, dans le moment de présentation, on a fait une déclaration, ça n'a pas cité. La Berrichonne est un club historique en France. Je suis content d'arriver ici pour m'acquérir et continuer de progresser dans cette famille. C'est ça, Fred Le Christophe lui-même fait connaître. Et Fred Le Christophe lui-même n'a pas rappelé dans le premier club européen, monsieur était joué déjà. C'était dans l'équipe Racing Club à Strasbourg là. Monsieur lui-même, c'est Timon Liugan. Et n'a pas si allé pendant la saison passée, monsieur était joué 23 matchs. Il était fait 3 green goals seulement. Sous l'équipe Racing Club à Strasbourg là. Mais sinon, regardez, monsieur était arrivé en Europe 2020. Et dans l'équipe Racing Club Strasbourg là pour juste 2023. Il a fait 3 ans, il a fait 7 green goals seulement, non, a fait 46 matchs. Fred Le Christophe n'a pas rappelé encore une fois, c'est Timon Léogan, il a 21 ans seulement. Pour sélection nationale haïtienne au niveau senior, monsieur a joué 7 matchs, il fait un green goal. Fred Le lui-même qui lui-même pral découvrir yon nouveau club. N'a pas quitté dossier football sur le plan local, nous parlons de la page internationale là pour le week-end. Nan. Gagné Lionel Andrés Messi, champion du monde, avec Albi Celesteia, lui-même côté que dirigeant équipe Inter de Miami qui était profité, présenté monsieur devant fanatique, soit qui t'a suivi sur Internet là, et qui était en présentiel tout, avec des milliers de personnes, pour le gars lui-même qui prend le poté de sa 10 ans, et monsieur lui-même, par l'occasion de ça, qui était profité, faire une déclaration, la cité. Je suis très excité à l'idée de commencer cette nouvelle étape de ma carrière avec l'Inter Miami et aux États-Unis. Pour le gars, je continue pour le dire, c'est une fantastique opportunité et ensemble, nous allons continuer de construire ce beau projet. L'idée est de travailler ensemble pour atteindre les objectifs que nous avons fixés et je suis impatient de débuter ici dans ma nouvelle maison. C'est ça que Messi lui-même, qui a 36 ans, qui débarque dans MLS là lui-même, Messi Jacques Nzek Palpoti, le dossard 10. Dans le même moment, dirigeant équipe Inter de Miami a profité à présenter un autre joueur qui c'est Sergio Busquets Bougos, ancien joueur équipe Barcelone lui-même, c'est nouveau joueur équipe Inter de Miami. Et Sergio Busquets, monsieur a pris pour le poté à 205 ans dans l'équipe Inter de Miami. Donc, Inter de Miami qui réunit à nouveau deux anciens joueurs qui ont joué dans la même équipe. N'a parlé de Messi avec Busquets. De Messi, ça aussi, nous avons sorti en 2008 pour arriver 2021 et jouer ensemble dans l'équipe FC Barcelona. Et Messi, ça qui était compilé des trophées. Si nous gardons ensemble. Ouais, t'es une équipe ça, et c'est pas bien avec l'autre compat et l'autre coéquipier. Yo, il était là, notre triplé Barcelone t'a fait dans la saison 2008-2009, et pourquoi pas le fameux sextuplé ça. Et en 2009, le Barcelone, toute compétition, il était joué, il était pris toute net 6 compétitions au total, il était remporté toutes. Et dans l'année 2015, encore, Barcelone t'a fait triplé ya, mais si ensemble avec Sergio Busquets, il était là, et c'est deux dans la pièce maîtresse équipe Barcelone ça, surtout sous période de Pep Guardiola lui-même, qui était pris deux Ligues des Champions en 2009. 2011 et avec et Luis Enrique et tout que afin qu'on ait Boston lui-même qui était fait triple A, Busquets lui-même dans poste habituel avec ses milieux défensifs et Messi lui-même comme électron libre, c'était place, il était bien comporté, un bon titulaire et deux Messi ça lui-même qui
ta droit gagner place titulaire dans l'équipe Inter de Miami. N'a quitté l'Amérique pour aller connait en Europe pour aller parler un dossier à football transfert. Selon plusieurs rapports, gagne international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, monsieur capable signer l'équipe Olympique de Marseille là pour 3 ans. Hispano-Franco-Gabonais, nous bien dit, cap évolué dans l'équipe Chelsea depuis 1er septembre 2022. Puis, arrivé dans l'équipe ça pour en fait 12 millions d'euros. Elle a quitté Barcelone pour que ça nous dit Hispano-Franco-Gabonais, monsieur le même qui fait en France. Et Ligue nationalité française, Ligue nationalité espagnole, nationalité sportive. Et pour la France, c'est en France qui fait, mais c'est pour sélection Gabon, qui décide pour tes couleurs. Et n'a pas rappelé monsieur lui-même qui connaît la Ligue 1 très bien parce que il jouait dans plusieurs équipes dans la Ligue 1. J'étais joué dans Dijon Football Club, j'étais fait 10 goals dans 39 matchs sorti 2008 pour 2009 et monsieur était fait une saison dans l'équipe à l'Olympique Olympique là 2009-2010, 2 goals dans 24 matchs. Monsieur était font passer tout dans l'équipe Monaco dans saison 2010-2011, il était fait 2 green goals seulement dans 23 matchs sorti 2011 pour 2013. Puis j'étais joué dans l'équipe AS Saint-Étienne là, il a fait 41 goals dans 97 matchs. Et Benjamin Mendy là, monsieur qui besoin rebondir dans un nouveau club, monsieur qui pas gagné place titulaire li dans l'équipe Chelsea. Tout le monde songe dans affaire Ligue des Champions la saison passée, c'était une période et monsieur lui-même qui pas même inscrit sous feu nous dit pour compétition. Et là, et Pierre-Emerick Aubameyang lui-même cap chercher un nouveau équipe. N'a pas les connait dossier Benjamin Mendy vendredi 14 juillet qui s'est passé là jury dans ville Chester dans pays l'Angleterre te reconnaître Benjamin Mendy était innocent contre plusieurs accusations viol monsieur était gagné sous dol arrière gauche français là monsieur était crié et lui-même il était profité remercier bon Dieu dans moment verdict là monsieur lui-même qui pourrait essayer prendre une vie normale d'après que ça même fils de Paye attaquant néerlandais lui-même lui était fait connaître mais il y a un journal de son lui-même qui était suivre Benjamin Mendy pendant week-end qui s'est passé là et surtout dimanche 16 juillet là. Monsieur lui-même qui t'a joué football dans un complexe qui portait nos pizza qui dans quartier Hardwick qui dans ville Manchester champion du monde 2018 là t'es habillé avec un équipement Manchester City et il demandait ensemble avec quelques monde que pas de connaître dans ville là si il est capable jouer football avec eux. C'était un plaisir pour Mounio t'es quoi champion du monde 2018 là avec sélection française lui-même qui a été joué football ensemble avec eux. Benjamin Mendy, monsieur là qui voulait décider de relancer carrière là et prochaine destination d'après journal de son, monsieur lui-même c'est dans pays Arabie Saoudite, l'État voulait aller rebondir. N'a pas rappelé monsieur lui-même qui était gagné accusation viol sous dos d'un paquet de jeunes femmes accusé monsieur de quoi monsieur t'a abusé sexuellement. Et là Benjamin Mendy lui-même qui non coupable devant jury Chester dans pays l'Angleterre. Monsieur lui-même a été une pièce maîtresse dans l'équipe Manchester City. Hein. Mais depuis après accusation de ça, monsieur lui-même qui était perdu placé. Et là, je viens de dire, l'a cherché à rebondir dans une nouvelle équipe. Et je descends lui-même rappeler que c'est Arabie Saoudite qui t'a doué une nouvelle destination. On a parlé de Ilkay Gundogan, monsieur lui-même. Qui ce nouveau joueur équipe Barcelona pendant que notre présentation Gundogan lui-même dit fait avec la présence de quelques fanatiques qui te répondent présent n'a pas si aller Barcelone pas pour jouer dans Cap Nou encore s'il vous plaît Cap Nou qui en reconstruction. Gundogan lui-même qui était là ensemble avec son babli président équipe là c'est Juan Laporta. Gundogan qui a remporté triplé avec Manchester City pour saison 2022-2023. Là, monsieur lui-même qui te font déclaration, il a cité, monsieur Fagoné, de pour se jouer à Barcelone, puis de pour battre Real Madrid, c'est appuyant déjà. Yon fierté pour, même si ça, que Allemand lui-même, le fait qu'on est avec Daniel Fossa, on a mis fin dans la rubrique sportive là. Jonathan Charles lui-même, t'a présenté nous, lui, la prochaine rubrique sportive, c'est pour l'autre.
Merci Jonathan et merci ensemble avec chaque fanatique qui toujours était connecté ensemble avec nous. Pas oublier avant même ou quitter vidéo ça, abonner like pour que ou pas rater aucune vidéo et activer cloche notification pour la tout. Non pas monsieur Foucault, c'était un plaisir pour me passer ouais encore une autre fois pour me déporter pour ensemble de informations qui a fait actualité dans le pays d'Haïti. Restez connecté, n'a croisé pita 7h pour une autre vidéo. Bisous bisous, one love.